Oh là là, waouh, vous faites tout à la main, hein. Tout est fait à la main. Il a 12 à 13 recettes à faire en permanence dans la matinée. Vincent is the right hand of Mr. Bordier. Les chefs nous envoient leurs ingrédients, tout est fait sur mesure. Le bois, c'est vraiment l'un des matériaux anticollants idéal. Quand le malaxage a commencé à être créé dans les fermes et autres, ils avaient du bois sous la main. Et donc là, ce plateau, il vient juste d'être rénové par le chantier naval de Saint-Malo. Wow. C'est vraiment le pont d'un bateau. On travaille avec un beurre doux qui n'a pas de sel. Qu'est sorti de la labarade, c'est quoi? Voilà. Il a une texture cassante. Là, on va le voir tout à l'heure, ça va vivre. Attaque plutôt. Un coup de devant, derrière à devant, un coup de gauche à droite. T'es en train de faire le petit escargot qui est sur ta main, là. On va lui donner un peu de souplesse, un peu de soyeux. Là, tu vois déjà, après trois tours, le granité est en train de prendre de l'élastique un petit peu, là. Et quand le beurre va nous dire « je suis prêt », on va le saler. On vient, en quelque part, par nos petits défauts, en l'aérant, en l'agressant avec le sel, on vient développer toutes ces petites saveurs. C'est bon. Voilà, on est vraiment sur les beurres de saison, parce qu'on est dans les beurres du printemps. Là, les animaux, les vaches, elles sont au champ, avec des herbes grasses, avec des fleurs. Et là, on a vraiment toutes les saveurs. Là, on est vraiment dans les meilleurs beurres de l'année. Hein. Ah, c'est crazy. Le sel est en train de travailler. Écoute. The sound, it's amazing. Alors, le sel va attirer autour de lui toutes les gouttelettes d'humidité. You can hear now it's very wet. It's like we're walking in the mud. The sound is so different. It's crazy. Non, mais c'est vrai que le son du beurre comme ça, c'est... Et là, t'as vraiment les larmes qui, ça y est, qui vont ruisseler. Et là, il y a 1-2 kilos de larmes d'eau qui se font partir. T'es eau et sel tous les jours dans le malaxeur. C'est pour ça qu'on travaille sur un produit qui connaît la mer, on va dire. On a mis tous les sens en éveil. On l'a touché, on l'a entendu. Si. On l'a regardé, mais on va encore le regarder. Mais à l'intérieur, maintenant. Et là, ton doigt va te faire sentir l'intérieur du beurre. C'est-à-dire que tu peux sentir éventuellement s'il reste des grains plus durs. Lourd. Tu sens des choses à l'intérieur ou c'est plutôt lisse? Attends. Vas-y, Roche. Jusque sur la table, ça va infuser. Il va continuer à pleurer sur table. Wow. Faut la patience, quand même. Hein. They're keeping the tradition here. A machine cannot do that. Wow. Comme l'aéroport ici, un peu. C'est grand, hein. Wow. Tout ce qui va être pesé, là, après, on va tout les façonner à la main. Ah ouais. Le client, il va choisir son poids. Il va choisir sa hauteur, sa largeur, sa longueur. Butter is la crème de la crème. It's part of our culture. No French cooking with no butter. Il y en a combien à taper, Alessandro? Il y a 1000 pièces à taper. 1000 pièces. Ask Julia. You know, Julia. A little more butter. More cream. Butter. Butter. Chaque client va avoir son tampon personnalisé en diamètre. Soit que c'est un logo, soit que c'est des initiales, soit que c'est des effigies. C'est vraiment diversifié. On va changer, moi je vais reprendre le relais, vas-y, je te laisse continuer. So cool. Oh, un escargot. Waouh. Trois petits trois. Ça, c'est le logo de mon restaurant, ça. That's precious, guys. Thank you, man. Thank you very much. That's so special, making my own butter. Everybody's so happy to work here, but I think they're more proud about what they do. You know, I would be proud too. I mean, it's a piece of art what we're doing. Chef, we don't do that much actually. We just have good ingredients, and after cooking is so easy. If we don't have these guys, I would be nobody in the kitchen.